Coucou, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, comment faire une perruque bandeau ananas. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est encore? Eh oui mes chéris, c'est la Pineapple Headband Wig. Voilà, alors j'ai utilisé ma cape wig en bonnet que je vais bien installer sur ma tête malléable. Et ensuite je vais utiliser un bandeau de mon choix, mais le préférable celui qui est bien large à l'arrière et croisé devant. Voilà, moi je vais le faire en crochet, vous pouvez le faire avec le tissage, c'est aussi faisable. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater ma chérie, rien rater. Une fois mon bandeau bien en place, alors pour celles qui veulent directement coudre leur bandeau sur leur capui, ne doivent pas coudre au bout du bandeau, non, elles doivent laisser quelques centimètres et coudre, ça fera l'affaire. Moi, je vais pas coudre mon bonnet. Alors, je vais prendre mon crayon et tracer pour savoir où je vais commencer mon crochet. Je vais utiliser les mèches Luna crochet braid de la marque Expression. Chaque braid, je vais diviser en 4 au début d'abord. Maintenant, une fois dépassé le milieu, je vais maintenant diviser les braids en 3 parties. Et c'est avec ça que je vais terminer. Je vais utiliser le gros crochet, vous pouvez aussi utiliser le mini. Moi j'ai utilisé le gros crochet pour avoir de grosses portions en fait. Voilà, votre crochet vous le commencez pas avant le trait, non après le trait que vous commencez votre crochet. Allez, on commence.
Mon crochet est terminé. Alors, je vous avais dit non, c'est facile ou bien. Il suffit seulement de bien tracer les lignes qu'il faut et les suivre à la lettre, c'est tout. Je vais tailler juste un peu. Ensuite, je vais utiliser ma mousse coiffante à bove et ma laque à huile à bove également pour faire plier ma perruque. Et c'est terminé. Je vais placer mon bandeau et c'est fini. Vous pouvez coudre votre bandeau comme vous pouvez pas aussi le coudre. Chacun a son choix. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser votre question en commentaire. Bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.